cette œuvre d'art, elle est 2.0. Elle se personnalise. Tu mets la chanson préférée qui rappelle des super bons souvenirs et la photo préférée. C'est un souvenir, c'est de la qualité. Et regardez, en plus, c'est 2.0 parce qu'avec Spotify, tu peux, regarde, hop. Et oui, ça se synchronise. C'est pas 2.0 ça. Regardez ces œuvres d'art de chez Memoplay. J'adore, ça décore tout mon appartement. C'est trop beau. Et quelle œuvre d'art qui brille et de qualité. Regardez comment c'est beau. Je vais vous montrer comment le personnaliser pour faire votre chanson et votre photo. Quand tu arrives sur le site, ne t'inquiète pas, regarde, choisis et tu personnalises, c'est super facile. On n'a plus beaucoup, il y a moins 50% avec mon code promo, donc sois ma PHN pour avoir ton œuvre d'art personnalisée. Seulement 29€ pour avoir une œuvre d'art 2.0. Allez, sois ma PHN, c'est maintenant moins 50% avec mon code promo SEB50. Donc tu dépêches, tu sois ma PHN et tu fonces, c'est un super cadeau de Noël. Allez, dépêche-toi, swipe up, swipe up. Bon, allez, c'est parti autour de Sonia. On va voir si t'es vraiment honnête. Est-ce que t'as quelque chose à dire avant, non? Non, il n'y a rien de... rien... Ok, tu réponds à tes amis, mais tu ne caches rien. Hein. Non, allez, on va voir ça. Bon, elle est très stressée, Sonia, il dirait là. Hein. Je sais pas, allez, on va vérifier les messages. J'ai regardé les messages de Sonia et il n'y a rien. Du coup, elle est sincère à 100%. Bravo à toi, Sonia. Ah, voici les 4 restantes qui restent dans la compétition. Donc, la seule qui n'a pas été honnête, on va dire la vérité, c'est Soraya qui a parlé à Julien Garou, une star de télé-réalité. Brian, du coup, tu vas faire un choix pour toi. Qui tu dois éliminer? Très clairement, pour moi, Caroline a été sincère, Sonia a été sincère, Kim aussi. Et ouais, c'est Sonia qui n'a pas été sincère, du coup, ce sera Soraya. Je pense que tu élimines Soraya. Ah ouais, parce qu'elle n'a pas été sincère, très clairement. Soraya, des mecs, etc., donc, tu es éliminée, dis-moi ce que tu en penses de ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que j'ai juste fait un compliment il y a 6 jours. Il y a 6 jours, on était au début de la compétition, donc je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord d'être éliminée? Non, je ne suis pas d'accord. Objection de Karina. Ça fait des jours que je me tais, je dis rien. Okay. Mais moi, dans la chambre, j'ai entendu Sonia qui disait qu'elle n'était pas là pour Brian et Kim peut en être témoin. Kim, elle peut en être témoin. On a entendu la même chose. Merci, merci, merci. Attendez, donc attendez, quoi? Alors attends. Donc en gros, ce que je comprends, c'est que tu entends des Sonia qui dit en off, quand vous êtes tous dans la chambre, quand vous êtes dans la chambre, comme quoi Sonia n'est pas sincère et qu'elle parle sur Brian. Est-ce que c'est vrai ou pas, Sonia? Sonia, c'est faux? Bah oui, c'est faux. Je crois que je suis normale, là. C'est Soraya, est-ce que c'est vrai que Sonia parle derrière le dos de Brian? Oui. Vrai ou faux? C'est vrai. Et t'entends quoi alors du coup? Bah, j'ai entendu que c'est pas pour nous, que vous nous utilisez, etc. Kim, est-ce que t'as un mot à dire par rapport à Sonia? Est-ce que c'est vrai ça? Moi, de toute façon, hier, j'ai dit qu'elle était fausse et c'est vrai. En plus, elle m'a clashé sur ses réseaux, je sais pas pourquoi. Et est-ce que c'est vrai qu'elle parle sur le dos de Brian quand vous êtes dans la chambre? Oui, elle parle. Elle dit qu'elle était trop contente d'avoir dit qu'elle sur Insta où là, j'ai des balles. Oh là là. Mais ça, Soraya, elle me l'a dit il y a 4 jours. Elle a pas le chef, elle disait que je dois remercier celle pour le médicament. Non, Soraya, elle me dit il y a 4 jours. Je dois remercier. Soraya. Bah donc on est 4 grosses folles en fait. Oui, 4 grosses folles parce que vous êtes tous là. Vous sonnez à la caméra. En fait, j'ai même moi, j'ai parlé, j'ai dit. Assumez quoi, dis-moi sur moi. T'as pas dit ouais, quoi, c'est qu'il veut que je le remercie pour mes abonnés, je veux que je le remercie, il veut que je le laisse. Les remercier pourquoi? Parce que ça montre des choses en fait. Allez, en fait, arrête d'être ingrate, sois pas ingrate, c'est ça, ingrate. Remercie les gens qui me suivent, pourquoi? C'est pas moi qui fait ça, c'est lui qui a fait ça, d'accord? C'est lui qui m'identifie. Et c'est pas toi, c'est pas toi qui dis qu'il fait ça que pour sa gueule et pas pour nous. C'est pas toi qui agis ça. Sa gueule est pour nous. Soraya, t'es folle. Téléphone. Attends, qu'on restructure. Du coup, Carolina, tu demandes le téléphone pour quelle raison? Parce que moi, j'aidais beaucoup. Elle voulait se clasher avec moi parce qu'elle avait pas assez de lumière. Elle me dit ouais. Téléphone, s'il vous plaît. Téléphone. Sonia veut partir. Tire. Bah si, voilà. Sonia veut partir. Bah si, t'assumes pas, clairement. Elle assume pas. Donc Sonia, tu pars. C'est officiel, tu pars. Ouais, c'est pas. Je pars parce que je trouve que tout ce cinéma, c'est trop. C'est du cinéma? Bah.
Là, c'est clairement ce que tu dis en off. Quand t'es avec les filles, quand t'es qu'avec. Quand t'es avec les quatre filles, tu dis je m'en fous de Brian, moi je suis là pour la lumière. Si tu as dit ça. Sinon, tu parleras avec qui je veux, et que je dis ce que je veux sur le téléphone. Du coup, voilà. Sonia des Carrefour Fa décide de partir. Donc elle part. Voilà. Elle part. Bonne soirée. Voilà. Bon bah du coup. Est-ce que tu connais les écouteurs sans fil de ces Ultimate Pods? C'est les meilleurs. En plus c'est pas 69€, c'est 18€ seulement pour les fêtes de Noël. Il y a toutes les couleurs. C'est une qualité de malade. C'est pour Android et iPhone. Regarde, il y a toutes les couleurs. Et tout le monde adore parce que c'est une grande qualité. Et je vous garantis que le son est incroyable. Incroyable. Donc tu swipe up et tu vas acheter. C'est seulement 18,99€ au lieu de 69€. C'est incroyable. Allez, swipe up et trouve ta couleur préférée. Fonce, swipe up. Regardez comment c'est de la qualité de malade. Allez, swipe up et fonce. C'est vraiment pas cher en ce moment. Non mais regardez cette qualité les gars. C'est un truc de ouf. J'adore. Moi je valide. Pour seulement 18,99€. Mais ça vaut grave le coup. En plus il y a une promo de malade. Swipe up. Va voir le site, il y a plein de couleurs différentes, tu vas être choqué. Et la qualité, encore plus choquée. Donc, swipe up et fonce, c'est maintenant jamais. Ultimate Pod, c'est le numéro 1, 18,99€ au lieu de 69, swipe up. Si les vocaux que Carolina veut montrer comme quoi, voilà, elle n'est pas sincère Sonia, qu'elle veut tout faire pour le buzz et qu'elle s'en fout de Brian, voici les preuves. Demain, faut faire un poté. Demain, faut faire un buzz de ouf. Enfin, je dis pardon. Et par contre, j'ai pas envie d'être en mauvaise posture. Tu vois ce que je veux dire? T'as le logo toi aussi? Bah, c'est un truc de fou, frérot. J'ai envie de balancer un verre d'eau à une meuf, tu vois. Mais je sais pas si. Carolina, un truc comme ça, genre. Carolina. Genre, à ce moment-là, elle en vient aux mains. Mais il faut que ce soit à la base d'un truc, tu sais, style. Donc là, en fait, clairement, elle a créé des scénarios pour être dans la lumière alors qu'elle devrait être là pour Brian et s'en servir. Exactement, en fait, elle pensait déjà aux éliminations. Et après, tu seras là pour témoigner que c'est faux, tu vois. Bon, bah, du coup, ouais, on a bien fait de la. Elle est partie par elle-même et on a bien fait de la faire partie. Merci en tout cas, Caroline, d'avoir montré la vérité. C'est vrai que Soraya est plus sincère, mais faut que t'arrêtes à parler au mec de télé-réalité, toi. C'est bizarre, c'est faut que t'arrêtes de parler au mec de télé-réalité. Ah, c'est bizarre. Toi. Y a Brian, non, mais il faut savoir ce que tu veux, toi. Personne d'autre. Petite blague du jour pour monter le moral à tout le monde. Pourquoi un portefeuille est imperméable? Parce qu'il y a du liquide. T'as compris? Du liquide, de l'argent. Bon les gars, sois up et ajoute-moi pour kiffer avec moi sur Snap. Ajoute-moi sur Snap. Est-ce que t'as eu ce méga giga sapin avec plein de décorations? Moi je vais vous dire. Il y en a plein qui m'ont dit où est-ce que t'as eu ton sapin, c'est Bidadi, c'est très simple, c'est ce compte Snapchat Mon Bûcheron, tu leur envoies un message et ils vont te livrer dans l'heure un sapin et la livraison est offerte. Allez fonce, il y a de toute taille, soit pas envoie un message. En plus ils décorent votre sapin chez vous et la livraison est offerte si tu lui envoies un message sur Snap. Waouh, la magie de Noël. Il y a plein d'abonnés à moi qui m'ont envoyé des messages. Ouais, je le connais, Jimmy, le fameux mec, le fameux faux mec de Soraya. Vous vous rappelez, hein? Vous vous rappelez? On a même été en vacances ensemble. En plus, regarde Léa, on est trop cons. Il y avait une photo. C'est lui, Jimmy. C'est lui, et là il y a Jolv. Mais attends, et tu vois, ça veut dire quoi, ça? Ils sont en soirée à Haïti. Mais attends, mais Jolv, il a fait comme s'il ne le connaissait pas, ça veut dire quoi, ça? Trop bizarre, mais pourquoi il mentirait? Jolv, c'est mon meilleur pote. Bah, je sais pas. C'est vraiment foutu notre gueule, Jolv. En plus, j'avais regardé le Instagram de ce Jimmy, il n'y avait pas la photo avec Jolv. C'est qu'il a forcément archivé les photos, il y a une magouille, c'est sûr. T'as Brian, ça va ou quoi? Attends, je vais te montrer les photos. Regarde, je te jure, la vie de ma mère. Regarde, ouvre mon téléphone, la vie de ma mère, Jolv, il connaît Jimmy. Il y a un coup monté là-dedans. Attends, attends, bah, qu'est-ce que tu racontes, frère? Je te jure, la vie de ma mère. Il est vraiment trop beau ton bijou. Ah oui frère. Waouh, c'est de la qualité de malade. Oui, c'est une bijouterie 100% française de Aix-en-Provence. Et c'est des bijoux de malade. Et c'est du vrai, du 100% vrai. Regarde la qualité que c'est, même la fermeture, il y a des diamants dessus. Et je vous garantis qu'avec ça, vous aurez des bijoux incroyables. Les plus grands, les portes Weshden, SCH, les plus grands rappeurs achètent ce genre de bijoux. En plus, c'est de la qualité et c'est pas cher. Encore des super bons plans de Save Daily from New York City. Regardez tous les modèles qu'il y a. Et en plus, il y a moins 60% avec mon code promo. Moins 60%, tu t'imagines? Une offre de
de malade, moins 60%. Donc tu swipe up et tu vas acheter. Il y a pour les filles et pour les garçons. Regarde, il y a pour tout le monde. Donc tu swipe up et tu te dépêches. Regardez, ça c'est mon préféré. Il est grand et énorme et franchement, il est canon. Donc tu te dépêches et tu vas swipe up. Et même les fermetures ont une belle finition. Il y a des bijoux pour les femmes et pour les hommes. Je vous le répète, donc tu swipe up et va trouver le bijou qui te convient le plus. Donc dépêche-toi. Et en plus, regardez, ça vient avec un certificat d'authenticité et c'est garanti à vie. Vous imaginez, garanti à vie. Et moins 60% sur tout le site internet. C'est une bijouterie française, c'est de la qualité. Swipe up et achète. Quand tu arrives sur le site, ne t'inquiète pas, c'est pas les prix exacts parce qu'il faut mettre mon code promo pour voir la réduction de malade. Donc va jusqu'au bout, mets mon code promo et tu verras que c'est pas cher et que c'est de la qualité, que c'est une opportunité pour toi et c'est garanti à vie. Swipe up, allez, dépêche-toi, swipe up. Aujourd'hui, je ne vais pas ramener les filles, je vais juste ramener Soraya pour régler les problèmes avec Jolve. Ok, tu ramènes juste Soraya, pas les autres filles. Et Jolve, il a voulu me faire un coup de pute comme ça, il a voulu me faire une dinguerie, bah ça va mal finir. Il me prend pourquoi? Un babtou? Un petit bouffon? Il va voir. Il y a Soraya qui vient d'arriver. T'as vu hein, je t'ai montré, oui. Ouais, oui, je sais. Là, en fait, il s'est foutu de ta gueule, il s'est foutu de ma gueule. Voilà, donc là, c'est Jolve et ça, c'est son pote. On sait, il s'est foutu de notre gueule. Là, c'est la guerre. La vie de ma mère. Jolve, il est pas prêt. Bon, les gars, au moins maintenant, on sait que Soraya était bien célibataire et qu'au final, ce fameux Jamie, c'était le pote à Jolve. Le pote à Jolve. Donc, écoutez bien, ce qu'on va faire. Écoutez bien. Il faut qu'on lui fasse un truc de ouf. Il faut qu'on se venge. Mais on doit faire quoi? Un truc qui regrette toute sa vie, qui sait à Wesseb. Wesseb, c'est un babtou, mais il a des paires de coronets. Montre-lui que t'es un chaud, frère. Vas-y, fais-le, frère. De quoi? Vas-y, mais t'es un chaud, frère. Vas-y, montre-le, frère. Je peux pas défoncer, c'est un mec de cinéma. Défonce-le par derrière. Oui, faut que je défonce par derrière. Écoute. C'est simple. C'est un mec de cité, il sait se battre, c'est sûr. Ils savent se battre. Moi, j'étais en train de faire du péno pendant qu'il est en train de défoncer des mecs là, au collège. Donc on peut pas. Pense-moi au passé, gros. Maintenant, règle tes problèmes, réglise-toi. Ok. Vas-y, quoi? Je vais lui faire un coup par derrière. Donc écoute, je vais lui faire un coup par derrière. Donc là, il faut que personne voit sa story. Faut qu'on masque déjà toutes nos stories, que personne voit sa story. Les jeunes, ok? Vas-y, allô? Ouais, Jolve? Ouais, frérot. Ouais, ça va, mon frère? Putain, tu me manques. Il y a un bug. Depuis tout à l'heure, je regarde ta story. Je t'envoie un message, j'aurais pas de voir, frérot. Non, t'inquiète, c'est une galère Snap. Tu connais, il y a un bug, je sais pas, je comprends pas. Attends, frère, viens à l'appart, frère. Mais je te dis quand? Parce que je sais pas, il y a du monde en bas, c'est bizarre. Ok? Y'a quoi? Viens dans quelques. Je te dis, je t'envoie un message quand tu viens et il y a du monde en bas, c'est bizarre, ok? Y'a des mecs chelous, c'est quoi? J'appelle les mecs de ma cité? Non, rappelle pas les mecs de ta cité, surtout pas! T'es sûr? Oui! Ah, mais c'est quoi? C'est des mecs chelous ou c'est quoi? Mais là, t'inquiète, je te rappelle, mais viens dans quelques heures, ok? Je t'envoie un message. À toutes! T'es sûr? Bon, ouais, c'est bon. C'est pas terminé, les gars. Je vais mettre ça, il va pas me reconnaître. Et bien évidemment, je suis un américain et j'ai une batte de baseball. Dès qu'il est en bas, du coup, je vais le défoncer, il va pas